Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment on fait pour changer une mauvaise habitude et en prendre une nouvelle. Alors, changer une mauvaise habitude, c'est un acte de volonté. Il faut trouver du sens. Ça, c'est la toute première chose. Trouver un sens et un pourquoi qui est fort. Pourquoi j'ai envie de changer cette habitude? Pourquoi j'ai besoin d'en trouver une meilleure? Une des premières choses, c'est de prendre conscience du processus dans lequel on est. Quand on a conscience d'un processus, on peut beaucoup plus facilement le changer. Par exemple, il est l'heure de faire du sport, vous revenez du travail, vous êtes fatigué, il y a une petite voix qui vous dit « mais non, t'es fatigué, tu restes à la maison, va prendre un bain plutôt que de sortir courir ». Ça, c'est repérer le processus. Vous repérez ce processus-là, dans quoi vous êtes. Éventuellement, vous pourriez lui donner un nom, vous dire par exemple, ben voilà, c'est monsieur Flemmard qui est en action. Se discipliner, donc c'est faire un acte de volonté. Pour faire un acte de volonté, il faut trouver ce sens, donc, comme je vous disais. Donc c'est vraiment avoir une discipline très forte. Quand vous décidez de faire des abdominaux, par exemple, tous les jours, c'est clair que faire des abdos, ça fait mal. Ça fait souffrir, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais en fin de compte, le sens de ça, c'est que vous savez que vous serez beau, vous aurez un corps plus musclé, donc vous allez atteindre votre objectif. Ce que vous voulez, c'est être plus musclé. Donc vous allez accepter en fait cette douleur, donc lui trouver un sens, parce qu'au final, vous serez plus musclé, plus beau. Donc, le sens, c'est donner de la conscience et du sens à la douleur. Un autre exemple. Si, par exemple, vous dites, moi, je ne pourrais jamais faire un jeûne pendant une semaine, ne pas manger pendant une semaine, c'est juste pas possible. S'il y a quelqu'un qui met un pistolet sur la tombe de la personne que vous aimez le plus au monde et qui vous dit, si tu manges une seule fois pendant cette semaine, je pèse sur je lui tire une balle dans la tête. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à ne pas manger et suivre ce jeûne pendant la semaine? C'est évident que oui, parce que le sens, il est tellement fort. Le sens, ça sera que vous allez sauver la personne que vous aimez le plus au monde. Donc, vous voyez, l'importance du sens, quand on veut faire quelque chose, quand on veut changer une habitude, le sens, il est très important. Pourquoi je fais les choses? Donc, vous savez, un acte de volonté, ça demande énormément d'énergie au cerveau. Hein, on ne peut pas en avoir 50 à la fois, 50 d'un coup. C'est trop de défis, trop de défis. Ça ne fonctionne pas, en fait. Il faut choisir un acte de volonté. Et puis, vous pouvez vous dire, tous les 6 mois, j'en choisis un. Et puis, un seul, et vous le mettez en pratique. Alors, pourquoi 6 mois? Parce qu'en fait, une nouvelle habitude, c'est s'autodiscipliner jusqu'à ce que ça devienne un nouvel automatisme. Donc, se mettre un défi sur 3 mois, ça permet d'avoir une nouvelle connexion neuronale dans votre cerveau. Ça va créer ce chemin neuronal. Cette autoroute, en fait, elle se crée à peu près en 6 mois pour devenir un nouvel automatisme. Donc, qui fait que, quoi qu'il arrive, si tu ne le fais pas, en fait, tu ne seras pas bien. Ça veut dire qu'après 6 mois, c'est ancré. L'habitude, elle est ancrée. Donc, après 6 mois, si vous ne le faites pas, en fait, si vous n'allez vous pas faire votre sport, par exemple, quotidiennement ou 2 ou 3 fois dans la semaine, bah, c'est quelque chose qui va être... vous ne serez pas bien, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en vous, vous avez besoin. Voilà. Donc, en dessous de 3 mois, ça ne sert à rien. Donc, si vous mettre une nouvelle habitude en place, en dessous de 3 mois, si vous ne le répétez pas quotidiennement, en dessous de 3 mois, ça ne va pas fonctionner. Hein. Donc, c'est après 3 mois, c'est là que votre corps, il va accepter que c'est une nouvelle habitude. Donc, il faut vraiment de la persévérance. Au fond, il faut du courage, mais le mettre en place régulièrement, chaque jour. La loi des petits pas, faites-le un petit moment tous les jours, cette nouvelle habitude. Mettez-la en place chaque jour un petit peu. Et puis, vous verrez qu'au final, vous allez vraiment créer ces connexions neuronales qui vont ancrer cette habitude et en faire un nouvel automatisme. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo dans quelques temps. À bientôt et je vous souhaite une excellente journée.